enseignante de l'école Jeanne d'Arc, elle est où? Mettez-vous devant, madame. L'école Jeanne d'Arc. L'école Jeanne d'Arc. Là, ce sont des CM2. CM2. Oui. Il y en a qui sont. Les élus de la ville de Lens. Par les enfants de l'école Jeanne d'Arc de Lens. Par Monsieur Stéphane Krosinski, membre du comité de Lens de l'Ordre national du mérite, assisté de Monsieur Jacques Grandbert, président de l'Union fédérale de l'Association des anciens combattants et victimes de guerre, et de Monsieur Christophe Lefebvre, chef du groupe de Lens des gardes d'honneur de l'ossuaire de Notre-Dame de Lorette. Par Monsieur Nicolas Spekens, chef de gare. Par Monsieur Sylvain Robert, maire de Lens, président de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, assisté de Monsieur Pierre Mazur, adjoint au maire. Par Monsieur Jean-François Raffi, sous-préfet de l'arrondissement de Lens.
1945, l'Allemagne hitlérienne capitulait sans condition. La liberté triomphait de la barbarie, mettant fin à toutes les exactions commises par ceux qui rêvaient d'imposer à l'Europe une idéologie totalitaire. Au jour anniversaire de cette victoire, souvenons-nous et rendons hommage à nos morts, à tous ces soldats de la métropole, aux forces alliées dont le sacrifice sur les différents théâtres d'opération a permis cette victoire qui rétablissait la paix et rendait à la France son indépendance. Honorons la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont été victimes de l'atroce réalité des événements de la Seconde Guerre mondiale, les emprisonnés, torturés et abattus, les victimes civiles, les combattants de toute armée, les résistants, déportés, fusillés, massacrés, prisonniers, pour leur courage, leur esprit de sacrifice et leur sens du devoir. Associons également à ce jour anniversaire la mémoire de Jean Moulin, premier président du Conseil national de la Résistance, constitué à l'initiative du général de Gaulle. Parvenu à unifier tous les mouvements de la Résistance française, Jean Moulin en présidait la première réunion à Paris le 27 mai 1943. Arrêté le 21 juin à Caluire-et-Cuire dans la banlieue de Lyon, torturé, il lui rendra hommage. Il mourut le 8 juillet lors de son transfert vers l'Allemagne. Le général de Gaulle lui rendra hommage en ces termes. Pur et bon compagnon de ceux qui n'avaient voix qu'en la France, il a su mourir héroïquement pour elle. En cette journée où les Françaises et les Français se souviennent et ont conscience que la paix et les valeurs humanistes qui sont les leurs sont particulièrement fragiles, ils regrettent que les espérances nées de cette victoire historique du 8 mai 1945 soient bafouées, le monde connaissant encore aujourd'hui des situations de guerre, de violence et de haine. L'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre invite chacune et chacun, particulièrement les jeunes, à œuvrer pour un monde de fraternité, de solidarité et de paix. Vive la République, vive la France. En ce jour, nous rendons hommage à nos compatriotes et à leurs frères d'armes, combattants de 1940, Français libres qui n'ont jamais cessé le combat, résistants de l'intérieur ayant héroïquement rejoint la lutte, soldats de l'armée d'Afrique, couverts de gloire, combattants rassemblés pour libérer notre terre opprimée et poursuivre le combat au-delà du Rhin et des Alpes. À tous, nous exprimons notre gratitude et notre admiration. À la suite du général de Gaulle, ils ont relevé notre honneur et permis à la France d'être à la table des vainqueurs. Leur épopée est entrée pour toujours dans l'histoire. Nous n'oublions pas que dans le Pacifique, la guerre se poursuivit encore pendant plusieurs mois avec son cortège de souffrances. Nous sommes également rassemblés pour exprimer notre indéfectible gratitude à nos alliés, venus du Royaume-Uni et du Commonwealth, des États-Unis, d'Union soviétique, et de tant d'autres nations d'Europe et du monde, nous n'oublions pas les sacrifices qu'ils ont consentis. Ensemble, au prix d'infinies souffrances, ils sont sortis victorieux du combat décisif pour la liberté, pour l'honneur, pour la dignité des hommes. Souvenons-nous de tous celles et de tous ceux qui périrent anéantis par la folie criminelle des nazis, victimes de l'extermination, des persécutions et de l'oppression, déportés, fusillés, massacrés, internés, martyrs d'une idéologie barbare. Nous sommes rassemblés pour témoigner notre solidarité à toutes celles et à tous ceux dont la vie fut à jamais marquée par les dramatiques conséquences de cette guerre impitoyable. Prisonniers de guerre, soumis à une douloureuse captivité, requis pour le service du travail obligatoire, et réfractaires, populations annexées, déplacées, brutalisées. Nous pensons aux veuves et aux orphelins, aux blessés et à toutes les victimes civiles. La victoire des nations alliées le 8 mai 1945 a consacré la victoire de la démocratie, des valeurs universelles et de la dignité de l'homme. L'idéologie criminelle et raciste était vaincue.
Le 8 mai 1945, la France était à Berlin, effaçant la défaite de mai 1940 et l'esprit collaborationniste. Dès le 18 juin 1940, la France avait dit son refus et sa volonté d'agir pour retrouver sa place au sein des grandes nations, afin de porter son message universel et humaniste de liberté, d'égalité et de fraternité. Françaises et Français de toutes origines et de toutes convictions, nous voulons ainsi manifester notre fidélité à nos héros. Dans une Europe réconciliée, nous savons qu'il faut sans cesse rester vigilant pour défendre ces valeurs et nous réaffirmons notre détermination à les transmettre aux générations futures. Thank you.